recevrons une délégation gouvernementale et une délégation de l'opposition, du collectif de l'opposition, pour davantage de précisions sur cet accord qui a donc été signé cet après-midi. Mais avant cela, il y a eu les travaux du Conseil des ministres hier. Au cours de cette réunion, le ministre du Travail et de la Fonction publique a fait au gouvernement une communication sur les dispositions en vigueur au Togo organisant le droit de grève dans les services publics. Au terme de ces dispositions, tout service non fait ou absence de service face suite d'une grève entraîne dans tous les cas, en vertu de l'ordonnance numéro 1-68 du 4 janvier 1968 portant statut général de la fonction publique et du décret d'application 69-113 du 28 mai 1969, les conséquences suivantes. Une retenue de solde proportionnelle au temps d'absence au service non fait est décomptée selon le barème suivant. 1. Retenue d'un 30e de la solde ou du traitement mensuel par journée d'absence. 2. Retenue d'un 30e également si l'absence ou le service non fait est supérieur à une demi-journée. 3. Retenue d'un 40e si l'absence ou le service non fait a été d'une durée comprise entre 2 heures et une demi-journée. 4. Retenue d'un 50e lorsque l'absence ou le service non fait a été de moins de 2 heures. Toutefois, et à titre exceptionnel, pour tenir compte des difficultés de transport et des tracasseries qui ont empêché bon nombre de fonctionnaires et agents de se rendre pendant plusieurs jours à leur lieu de travail habituel, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer le barème de retenue ci-dessus indiqué. Je répète bien, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer le barème de retenue ci-dessus indiqué. En conséquence, les soldes et traitements du mois de juin 1991 seront intégralement versés à tous à la fin de ce mois. Oh, le retard pris depuis l'annonce de ce débat que mes réalisateurs qualifient de grand, oui, grand, pourquoi pas. Le thème dont nous allons parler ce soir est d'importance, vous comprenez bien, et il évoque une étape décisive de la vie politique de notre nation. Vous savez que depuis l'annonce du processus de démocratisation, ce processus a connu plusieurs étapes, malheureusement des étapes douloureuses, et qui ont abouti finalement à un accord entre le gouvernement et le collectif de l'opposition démocratique. Nous vous avons annoncé dans le journal de 20h les principaux points de cet accord. Nous allons vous les rappeler. Et ce débat consiste à aller au-delà de ce qui était annoncé avec ceux qui ont eu l'honneur et le privilège de participer à ce débat depuis son début, à cette concertation, cette négociation. Ben, ils nous diront, ils iront au-delà des points qui sont évoqués ici. Nous dirons dans quelles circonstances ils ont pu aboutir à cet accord. Quel est l'objectif que poursuivre cet accord et quels seront les grands projets d'avenir de ce pays à partir de l'accord qui vient d'être conclu entre le gouvernement et le collectif de l'accord de l'opposition démocratique. Alors, quels sont ces principaux accords? Premièrement, le gouvernement accepte l'organisation d'une conférence nationale pour le 24 juin 1991. Deuxièmement, le collectif de l'opposition démocratique suspend l'ordre de grève générale lancé le 6 juin 1991. Troisième point, les deux parties décident la reprise des travaux du comité préparatoire de la conférence nationale. Quatrième point, l'ordre du jour de la conférence nationale est fixé comme suit. Petit a, débat général sur la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays sanctionné par une déclaration de politique générale. Petit b, mise en place de nouvelles institutions. Petit c, organisation de la période de transition, notamment constitution du gouvernement de transition dirigé par un premier ministre issu de la conférence nationale, mise en place d'un organe législatif de transition, mise en place des organes de contrôle des élections, élaboration d'un calendrier électoral. Cinquième point, petit a, pendant la conférence nationale et la période de transition, le chef de l'État assumera ses fonctions en tant que garant de la continuité de l'État, de l'indépendance de l'unité nationale, dans le respect dû à la dignité de la fonction présidentielle, en tenant compte des attributions que la conférence nationale aura décidé de conférer au Premier ministre. Petit b, le gouvernement de la période de transition doit être représentatif et comporter toutes les sensibilités politiques. Point numéro 6, petit a, les orientations et décisions de la conférence nationale ne seront pas remises en cause par le chef de l'État. Petit b, les élections générales qui se tiendront à la fin de la période de transition doivent donner à chacun la possibilité de se soumettre à égalité de chances
au verdict des électeurs sous le contrôle d'observateurs pour en vérifier la régularité. Point numéro 7, le gouvernement et le collectif de l'opposition démocratique lancent un appel au calme et à la paix civile. Voilà pour les points d'accord entre le gouvernement et le collectif de l'opposition démocratique. Donc pour apporter... Deux ATG, ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.